énormément de coups francs partis de cette distance. Zouzou Franck Carlos, il a le pied gauche qui fait mal. Un joueur qui a été formé à... Mèche. Le pied gauche de Zouzou fait mal. Zouzou s'élance. Zouzou Franck. Ouais. Dernier dans cet exercice. Zouzou Franck Carlos, exceptionnel. Il fait lever le mur jaune. Il permet à la SEC de mener. La finale commence idéalement bien. Pour son défenseur gaucher, Zouzou Franck Carlos. Bis repetita, comme ce fut le cas face à l'US Monastir en Coupe CAF. Oui, et comme on l'avait dit en début, tu l'avais tout à l'heure souligné, il y a un Zouzou côté à sec, un Zouzou côté afin de ironie du sort. C'est sur la faute de Zouzou, joueur de la FAL, que Zouzou, joueur de la SEC, vient ajuster le gardien. Regardez comment c'est bien enveloppé. Et je crois que ça a été tout français de la FAL. Voilà, c'est un remake de ce qu'il nous a fait Yam Sokro. Qui... Carlos, Zouzou, il en va au but. But ! C'est pas croyable ! C'est pas croyable ! Dans les arrêts. C'est vraiment un match accidenté. Vous êtes moi, il peut jubiler. Il peut jubiler, il peut danser. Il peut faire tout ce qu'il veut, Zouzou, aujourd'hui. Adama, il s'est battu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il a été dévié, contré. Ah, il a été. Ah non, il a été très costaud. Le capitaine. Il a été très costaud, Zouzou. Voilà, et elle est lourde, la frappe. Oh, en plus, je veux dire, elle a été déviée, mais même quand elle partait, la puissance qu'il met et la précision, je pense que de toute manière, que j'ai vu le gardien là, aucune chance qu'il puisse l'arrêter, ce ballon. 5 buts doublés de Zouzou Carlos. Il faut arrêter le match maintenant. Il faut arrêter le ouais, match. Ouais, faut arrêter. Il faut arrêter l'hémorragie. La position avec le Zouzou Carlos. J'aurais utilisé l'extérieur du pied. Ah ben là, la frappe ben ouais. Et voilà, je vous le disais, cet homme-là, il faudra se méfier de lui. Et Franck Zouzou Carlos qui va marquer son 4e but dans ce championnat. L'ancien pensionnaire de l'Afrique Zone d'Abidjan. C'est lui qui ouvre la match ici à la 57e minute. J'ai aimé. Oui. Enfin le but qu'on attendait de la Bafing sur ce coup franc. Regardez cette balle arrêtée. Et moi qui voyais le pied gauche, le pied droit de Zouzou Carlos, il a utilisé plutôt le pied gauche pour mettre ce ballon dans le petit filet, côté opposé de André Ulrich. Eh bien, ça fait 1-0.